La plupart de l'argent que je fais se passe quand je dors. Et c'est des centaines d'euros que j'accumule très facilement. Ça, ce que je te donne, c'est mon secret, mon meilleur revenu passif. Alors pose-toi 5 minutes et écoute bien, ça va énormément te servir. Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver, mon ami. Et bienvenue à Toronto, au Canada. Il me reste une semaine avant de rentrer en France. Et j'en profite pour te faire une vidéo sur mes 9 sources de revenus que je dispose à 27 ans et qui me permettent aujourd'hui d'être totalement libre financièrement. Alors tu verras que celles-ci sont assez variées. Certaines me rapportent plusieurs centaines d'euros et d'autres plusieurs milliers d'euros par mois. Et la plupart de mes revenus peuvent être également accessibles à toi aussi et peuvent améliorer d'un ta situation financière. Alors si tu es curieux de savoir comment faire de l'argent autrement que de par le salariat et le job que tu as actuellement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je te livre absolument tout en toute transparence. On est parti, let's go. Alors d'entrée de jeu, pour t'expliquer comment je procède, sache que pour chacun des revenus que je dispose, mon but est d'être le plus rentable possible dans un minimum de temps. Gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, c'est cool. Mais si c'est comme beaucoup de personnes dans le salariat, y consacrer 50 voire 60 heures par semaine, ça ne m'intéresse absolument pas. Le plus important, et c'est ce que tu dois retenir, c'est de faire de l'argent intelligemment, même quand tu dors ou même quand tu passes du bon temps avec les gens que tu aimes. On vit dans une société où la phrase « travailler plus pour gagner plus » est pour moi totalement arriéré. Ça va être le savoir que tu as et ta capacité à mettre en place des sources de revenus passives qui va t'apporter une réelle liberté et qui va te rendre épanoui. Donc bien plus que seulement l'argent que j'ai avec ces sources de revenus, je vais t'expliquer le temps que j'y passe pour chacune d'entre elles pour que tu puisses te rendre compte que, hormis les montants que ceci me dégage, c'est vraiment l'aspect liberté de temps qui est le plus appréciable pour moi. Ma première source de revenus va être ma chaîne YouTube. Alors le mois dernier, j'ai dû faire quelque chose comme 300 euros avec la publicité et les vues qui s'accumulent, donc c'est pas un truc de fou et ça ne représente pas la source de revenus qui me rapporte le plus d'argent. Cependant, bien plus que l'argent que celle-ci me rapporte, pour moi c'est une des sources les plus importantes que j'ai puisqu'elle me permet de m'exposer directement à vous et de pouvoir promouvoir mes business et mes services que j'ai à côté, tu comprends? Elle me permet également d'être contacté par des entreprises qui souhaitent collaborer avec moi, ça c'est une autre source de revenus que je t'expliquerai juste après. On peut vraiment parler d'un cercle vertueux grâce à YouTube et sans ceci, je pense qu'un bon nombre de mes business n'auraient absolument pas vu le jour. En termes de temps passé sur ma chaîne YouTube, c'est très simple. Généralement, je prends une journée en début de semaine et je vais écrire mon script, donc ça peut me prendre entre 1 à 3 heures en fonction de la complexité de la vidéo que je m'apprête à tourner. J'écris mon script le matin et la plupart du temps l'après-midi je passe au tournage et là pareil ça me prend entre 1 à 3 heures pour tout filmer. Et ensuite je prends une autre journée pour faire le montage et la publication et ça peut me prendre de quelques heures à une journée entière si je mets du cœur à l'ouvrage. Venons-en à ma deuxième source de revenus qui va être le LB Fit Circle qui représente mon programme d'entraînement. Depuis tout petit, je suis passionné par le sport et depuis plusieurs années par le fitness. Et l'idée m'est venue, si tu veux, à la suite d'un commentaire que j'ai eu dans un de mes vlogs sur ma chaîne YouTube où je filmais un de mes entraînements. C'est un abonné qui m'a tout simplement demandé si je n'avais pas un programme d'entraînement à lui proposer. Et du coup, boum, ça a fait tilt dans ma tête et j'ai créé un business là-dessus. Du coup, j'ai créé un programme complet sur comment je m'entraîne, comment je mange, le mindset, comment je reste motivé, comment je reste focus, etc. Alors, je ne le mets pas tout le temps en avant sur ma chaîne puisque le thème principal de ma chaîne, c'est le business et l'amélioration financière. Mais dans certaines de mes vidéos, dans mes vlogs généralement, ça m'arrive de le proposer. C'est quelques centaines d'euros qui s'accumulent par mois d'une façon totalement passive puisque le programme est déjà entièrement tourné et est prêt à être consommé. Une personne achète le programme et toutes les vidéos se débloquent automatiquement. Venons-en à ma troisième source de revenus qui va être la crypto-monnaie. Cette source est totalement passive puisque j'ai un de mes meilleurs amis qui est complètement passionné par le domaine et qui fait des très beaux placements gagnants sur le long terme et ça me va parfaitement. C'est plus une manière de diversifier mon épargne, de faire face à l'inflation et d'en tirer de jolis bénéfices. On passe chaque début de mois une heure en visio ensemble, il me parle des nouvelles belles opportunités où il faut placer de l'argent, je pose mon billet et je laisse la machine tourner. Alors je ne peux pas te dire exactement combien ceci me rapporte par mois puisque qui dit crypto-monnaie dit fluctuation, mais disons que je mets chaque mois des centaines d'euros là-dedans, je laisse le tout fructifier dans mon portefeuille de crypto-monnaie et comme je te l'ai dit, on fait chaque fois et chaque mois avec mon meilleur ami une analyse en commun, on voit qu'on est en positif, on laisse le tout tourner, aussi simple que ça. Ma quatrième source de revenus va être
appelle les conférences en ligne. Cette source est assez nouvelle pour moi puisque j'ai été contacté il y a de ça quelques mois par un institut qui est spécialisé dans le développement personnel afin d'intervenir en tant que conférencier en ligne et de partager mes connaissances dans l'investissement immobilier. Et comment celle-ci m'a contacté ? Grâce à ma chaîne YouTube et grâce à mes vidéos basées sur l'immobilier que je propose. Et tu comprends maintenant tout l'engrenage positif que ma chaîne peut m'apporter. Plusieurs fois dans l'année, tu as des élèves qui s'inscrivent via cet institut pour avoir un cours, donc une conférence avec moi où je leur apprends comment investir intelligemment dans la pierre, vivre de ses rentes et pourquoi pas devenir à leur tour rentier immobilier. Pour chaque session de 7 heures, je gagne entre 1000 et 2000 euros par mois en fonction du nombre d'inscrits et tu t'imagines donc que ceci constitue une très belle source de revenus à additionner. Ma cinquième source de revenus va donc être mes investissements immobiliers. Et oui, c'est logique, si je transmets à des personnes des connaissances dans l'investissement immobilier, c'est que j'ai moi-même investi dans la pierre. J'ai commencé à investir à l'âge de mes 23 ans, donc j'en ai aujourd'hui 27 et je cumule aujourd'hui plusieurs appartements qui me rapportent de très jolies rentes. Investir dans l'immobilier est la chose la plus intelligente que tu peux faire. Ça constitue un pilier en termes de revenus passifs, mais pour moi, c'est un revenu qui est même plus important que le salariat. Peu importe si tu es malade, qu'il t'arrive un accident ou par exemple si mes autres business ne fonctionnent pas, l'immobilier, une fois que le locataire est en place, la machine tourne toute seule, tu comprends ? Me concernant, j'ai décidé de déléguer absolument tout concernant mes appartements à un gestionnaire pour y passer le moins de temps possible et pour être plus focus sur mes autres business. Il s'occupe des entrées, des sorties, des réparations ou du nettoyage des communs. On s'appelle seulement 15 minutes par mois et ça fait largement l'affaire. Mes appartements me rapportent entre 2000 et 3000 euros net par mois en fonction du taux d'occupation et comme tu l'auras compris, ça constitue un de mes business les plus fructueux. La sixième source de revenus que je détiens à mes 27 ans, ça va être les partenariats. Donc ça va être très concret. Une marque me contacte et me propose de mettre en avant son service sur ma chaîne YouTube ou sur un de mes sites internet en échange d'argent. On va dire que j'en effectue un tous les deux mois et pour un partenariat classique, on commence à 500 euros. Ceci ne me demande pas beaucoup plus de temps puisque j'insère directement le partenariat et le service en question sur le montage de mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et donc, c'est encore un joli billet à prendre par rapport au peu de temps que je passe là-dessus. Ma septième source de revenus qui est assez proche des partenariats, ça va être les liens d'affiliation. Contrairement aux partenariats qui vont concerner une vidéo ou une promotion précise, les liens d'affiliation sont fournis par des entreprises qui souhaitent améliorer la visibilité de leurs services. En me donnant un lien personnalisé à mon nom, je vais mettre ces liens par exemple dans une de mes descriptions YouTube, sur mon Instagram ou sur mes sites internet. Et forcément, pour chaque souscription d'une personne au service via mon lien d'affiliation, je récupère, comme tu l'auras compris, ma part du gâteau tout simplement. Alors c'est quelque chose que je fais beaucoup moins puisque je préfère mettre en avant mes propres business et mes propres services. Mais ceci me rapporte aujourd'hui encore quelques centaines d'euros par mois, donc c'est absolument pas négligeable au vu du temps que j'y passe qui est de zéro. Ma huitième source de revenus est, ou plutôt sont, mes coachings privés. Sur tout type de sujet, que ce soit le statut de frontalier suisse, l'investissement immobilier, la création de business ou même sur des sujets un peu plus personnels, j'aide en direct et en visio des personnes à s'améliorer et à les sortir d'une spirale vicieuse dans laquelle ils se sont peut-être engouffrés dans leur vie. Donc c'est assez varié, la plupart du temps ça concerne le domaine financier, mais ça concerne aussi le domaine personnel où certaines personnes ont besoin d'un joli coup de fouet pour se recentrer et pour avancer dans leur vie. Chaque coaching est à minimum 197 euros et j'en ai au minimum 4 par mois, donc ça constitue encore un joli billet à rajouter pour cette huitième source de revenus. Et enfin, venons-en à ma neuvième source de revenus qui va être mes formations en ligne. C'est concrètement le business le plus fructueux et le plus passif que je peux avoir. Je propose des conseils en vidéo par rapport à mes propres expériences sur plusieurs thématiques. Je tourne une formation qui peut faire entre 6 à 10 heures de façon très pointilleuse, donc ça me demande au commencement énormément de travail. Une fois que celle-ci est finie, je la mets en avant via un canal que tu connais très bien qui va être YouTube et je laisse la machine fonctionner toute seule. C'est plusieurs milliers d'euros qui en découlent chaque mois. Du coup, je propose des vidéos entièrement gratuites sur ma chaîne YouTube que j'estime de qualité. Et si des personnes trouvent un sens à mes paroles et ont envie de se former pour améliorer leur situation et pour changer de vie, mes programmes de formation payants sont là pour ceci. Voici les 9 sources de revenus que je détiens actuellement à mes 27 ans et qui me permettent d'une part d'être mon propre patron et de ne plus dépendre du salariat, mais surtout de faire un maximum d'argent dans un minimum de temps. Et
c'est ceci que j'appelle faire de l'argent intelligemment. Dis-moi en commentaire quelles sont tes sources de revenus à toi, ça m'intéresse grandement et on pourra échanger sur le sujet. Et pour finir, mon ami, si tu as eu le feeling avec moi et que tu as apprécié ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, sache que je peux t'apporter beaucoup plus pour améliorer ensemble ta situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Pour ceci, tu as mes programmes de formation qui seront juste en dessous de cette vidéo et qui peuvent énormément t'apporter. Et comme je te l'ai dit, c'est une question de ressenti. Et si tu veux qu'on avance ensemble pour changer ensemble ton futur, ça sera un plaisir de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, un grand merci pour avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais aller profiter de cette jolie ville canadienne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Une excellente journée ou une excellente soirée. C'était votre gars Loïc. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.